Shalom and welcome back to 3w.congostate.com with me, Aisha Shamwenze. Nous sommes ici dans le Glistorant de Kérit à Galesburg, dans l'air culte normal, mais ils ont reçu le pasteur Roland Dallo de l'église Philadelphie à Kinshasa. Donc nous sommes ici ensemble avec nos frères et sœurs en train d'adorer l'Éternel. Donc, Binomoko bozoyo kandenge louange zo toka awa na torrent de Kérit. Dieu ne déplace jamais ses serviteurs en vain. Donc juste après l'église, nous allons recevoir le pasteur Roland Dallo et puis nous allons lui parler un peu de la vie na ma vie na biso ya lo sambo. Binomoko mona kandenge leka. On se revoit juste après. Stay tuned. Bonjour pasteur Roland Dallo. Bonjour ma soeur. Nous avons un peu de questions ici pour vous, de savoir quel est le motif qui vous a poussé de venir aux États-Unis. C'est les problèmes de santé, promenade ou bien c'est juste spécifiquement? D'abord merci pour l'invitation et merci d'être venu pour vous enquérir des quelques nouvelles nous concernant. Principalement je suis venu pour la collation de notre fille aînée qui depuis maintenant 4 ans étudie à Saint-Louis dans le Missouri. Pour sa collation des grades académiques qui aura lieu le samedi 3 mai. Mais comme je suis serviteur de Dieu, le pasteur Guy Wembo, qui est un ami de longue date, m'a demandé de passer d'abord à Champaign, où j'ai apporté la parole hier. Et puis, je suis venu aujourd'hui à Galesburg pour partager la parole de Dieu à l'aire extension. Donc, principalement, je suis venu pour des raisons familiales, pour notre fille qui termine ses études. Mais subsidiairement, je prêche aussi la parole de Dieu parce que c'est ça mon appel. 2 Rois chapitre 5, verset 1 dit: cet homme fort et vaillant avait dit, mais il était lépreux. Fort, vaillant, jouissant d'une grande considération, et puis subitement, mais j'aime pas quand il y a un mais. Roland a ce plat canario, mais là je suis déjà sur la défensive, il va dire quoi? Mon épouse me dit, Roland, ça m'a pas l'amour, mais. Ma pauvre ma casse. Roland, t'es à la bien. Mais, nous comptons appétit. Mais, quand les mains viennent, ça annule beaucoup de choses. Bon, je réponds au nom de. Je suis pasteur Jean-Marie, de l'église Bethel, ministère d'action. Pasteur Jean-Marie, s'il vous plaît, de l'église Bethel. Ah, Waka, aux États-Unis ou bien au Congo? Non, ici aux États-Unis, je suis en train de chercher comment atteindre le but pour avoir mon église ici. Mais le siège est à Kinshasa. Merci, pasteur. Mais comment avez-vous trouvé la prédication du pasteur Roland Dallo? Non, l'homme de Dieu nous a consolés. L'homme de Dieu, il a bien prêché. Selon ce qu'il a parlé, c'est surtout vraiment ce que les gens s'attendaient que non, Dieu devrait faire à lui. Dieu vraiment a fait de grandes choses. Il a bien prêché et il nous a consolés à travers sa prédication. C'est tout le monde qui est vraiment édifié. Donc, précisément, votre famille habite ici aux États-Unis? Non, c'est plutôt, nous avons nos deux filles aînées qui font l'université. Enfin, l'aînée faisait parce qu'elle termine cette année. Et la deuxième qui maintenant passe à sa troisième année à l'université. Donc, voilà, deux filles qui sont aux États-Unis. Merci. Et puis, nous avons aussi besoin de savoir, depuis que Dieu vous a appelé, votre ministère est basé sur
sur quoi? Moi, j'ai reçu d'abord un ministère pastoral, j'ai tout un parcours. Je me suis converti en 85, le 5 novembre exactement. J'ai passé toute ma première année à l'église pentecôtiste de ma campagne, pour ceux qui connaissent un peu. Et puis après, j'ai été invité au travers de mon jeune frère en novembre 86 à l'église de la Borne. Et c'est là où j'ai fait quasiment tout mon parcours, à la fois en tant que chrétien. Et puis j'ai reçu mon appel au ministère en 89. J'ai été encadré par un aîné qui est maintenant en Afrique du Sud, l'apôtre VI. Et j'ai fait tout mon parcours jusqu'à ce qu'en 91 ou en 91, je me lance dans le ministère à temps plein. Et j'ai travaillé comme adjoint du pasteur Vernon de 93 jusqu'en 96 avant que je ne puisse aller faire ma formation biblique et théologique à Nairobi, donc de janvier 97 jusqu'en décembre 2000. Et je suis retourné en décembre 2000 pour reprendre encore la place aux côtés du pasteur Vernon jusqu'à ce qu'en 2008, au mois de mars exactement, que Dieu permette que moi-même je devienne pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie. Mais s'il faut parler de mon ministère, mon ministère il est pastoral, mais Dieu m'a donné deux messages précis. Un premier message, c'est sur la famille. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné. Je peux pas dire que c'est ma spécialité, mais c'est vraiment l'un des messages que Dieu m'a donné. Et le deuxième message, c'est un message de réconfort, un message pour redonner espoir à ceux qui veulent laisser tomber, à ceux qui sont abattus. Donc ce sont les deux axes de mon message. Ça m'empêche pas de prêcher d'autres sujets, mais ce sont les deux choses que j'ai reçues au moment de mon appel. Merci. Et puis nous avons besoin de savoir si ici aux États-Unis, la vie est un peu améliorée par rapport au Congo. Donc, ça semble comme si les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce que la vie est un peu améliorée, les gens ont presque tout. Et puis, qu'est-ce que tu peux dire comme conseil, étant qu'homme de Dieu? Non, je voudrais d'abord rectifier. Pour moi, je ne lis pas vraiment la vie chrétienne au côté matériel. La Bible nous montre beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Abraham, quand Dieu l'a appelé, c'était un homme qui, sur le plan matériel, ne manquait de rien. Même malgré ça, il a servi Dieu. Joseph, peut-être il avait commencé timidement, mais au plus fort de sa vie, ça a été quelqu'un qui exerçait de grandes responsabilités. Daniel et les autres. C'est vrai, le côté matériel, quand il est satisfait, ça a tendance à éloigner les gens de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a sur le plan matériel qu'on ne doit pas s'attacher à Dieu. Bandego bino mumbo landi pasteur alou donc la vie matérielle dans ce qui compte c'est spirituel dans matériel et vos les gars spirituel donc il en dit lola ça va sonner là. Et je dis pourquoi je regardais à côté, il y avait comme des contrats signés et quelqu'un me faisait lire, il dit regarde bato ba signé qui ba contrat ba s'engage que pas il en ça ba binza mais ce qu'on sait linga il boy la mosa et no. Si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Et Dieu m'a dit, Rolando, tu vas prêcher. Il y a plusieurs avant de quitter l'Afrique. Ils étaient tôt contre les murs. Leur situation était difficile. Leur démarche était dure à passer. Et Satan fait des promesses à Dieu. Mais se refondre le micro qui est la moussala. Et Dieu a ouvert les portes. Et vous êtes arrivés si vous l'avez oublié. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit venir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais engagé vis-à-vis de toi. D'après ça, quand il y a eu la canne, 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 il y a eu la canne. Je vous en supplie. Je ne dis pas ces choses par moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. D'ici 20, 25 minutes, on va finir. Et si quelque chose vous arrive, je dirai au Créateur, Seigneur, ce soir-là, moi je fais ma part. J'ai tout fait pour l'aider à agir ou à réagir. J'aurais dit à quelqu'un, viens lui dire, Seigneur, pardonne. Alors, pasteur, est-ce qu'il faut avoir un petit mot pour le peuple de Dieu qui ne sont pas venus aujourd'hui assister à cette prédication? C'est un appel qu'on lance vraiment à tous nos proches qui veulent tout le temps être dans la présence de l'Éternel. Que non, c'est que les gens pensaient que non, ça ne devrait pas se dérouler aux États-Unis. Il y a un Dieu qui se manifeste tout le temps. Il y a un Dieu qui est là, qui a besoin seulement de gens, qui a besoin des enfants de Dieu. À chaque fois que non, il y a une grande manifestation qui se présente, où il y a des hommes de Dieu qui se présentent. En tout cas, vous êtes vraiment censés de venir dans l'église, à la participation à cette manifestation pour la gloire de l'Éternel. C'est vraiment bien. Pour le moment, tout ça, dans l'église mère, dans la commune à Gombe,
sur avenue de la science Batubaye Kinshasa moké pemene à entrée à école Lisanga depuis maintenant 6 ans Zambazo songa biso musa ezole kamalam to fongola extension na biso ya Mboza na Mboka Boma extension mi baleza na Malawi États-Unis les Canadiens ne y étaient un colonel na loni on a mité manabiso te mais église na biso pesa jeune nous n'avons que 6 ans na bento na phase mon père former ba ouvrier entre préféré si jamais trop fond la ba extension ezala ba extension pe boké botindi muto aza guéri sur le plan spirituel qui peut faire un travail mais pour le moment les canicies claires ou pensées précises qu'on a possible sur Rwanda Moussa là on a ne y était c'est pas que ko yate mais pour le moment ils allaient quand est-ce que vous allez rentrer au Je rentre à Kinshasa. D'abord, quand je finis aujourd'hui ici, je retourne à Champagne et puis je reste à Champagne jusqu'à demain soir où j'ai une réunion avec quelques serviteurs de Dieu et puis un moment de prière. Et puis je vais à Saint-Louis dans le Missouri jusqu'à la fin de la semaine pour la collation de notre fille aînée. Avec la grâce de Dieu, je peux quitter vers début de l'autre semaine pour 2 semaines au Canada, à Montréal et puis à Toronto. Et puis après, là, je pense être au pays vers le 20, le 22, je pourrais être de retour à Kinshasa. Je voudrais dire simplement comme les prophètes le disent, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein. Je me dis, il y a tout ce que les États-Unis vous donnent comme facilité, que des fois peut-être on n'a pas ou on n'avait pas forcément au pays. Mais sachez qu'il y a une éternité qui peut arriver n'importe quand. Quelqu'un peut perdre la vie, mais il peut aussi arriver que le Seigneur puisse revenir. Donc j'ai dit, tout bon gamin, tout à la prière, en tant que bandimi, tout se laisser emporter. C'est un peu dans la Bible, on dit que maintenant, on noue, on va dire qu'on est là, on va dire qu'on langue, jusqu'à ce que délige. Donc, préparons-nous, qu'on va être un jour, on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire individuellement, soit à Robenga, j'insiste sur une chose, préparons-nous à la rencontre de Dieu. Merci. C'est à moi de vous remercier.